Nous sommes tout près du cratère. Le météore dégage une énergie intense. Je tiens enfin la preuve que cette pierre est génératrice de vie. Maintenant, grâce à son pouvoir radioactif, d'innombrables vies humaines seront sauvées. C'est incroyable! Quelle naïveté! Oh non! Le météore a disparu! Eh oui, et vous en savez beaucoup trop! Donnez-moi cette caméra, cher monsieur. Mademoiselle, je vous prie. Ah! Oh! Ah! Attention, Rax, on a un visiteur. Il faut préparer le comité d'accueil. Pas de panique, on y verra plus clair quand la petite fête sera finie. Voilà, tu devrais la calmer. Arrête là, il ne faut absolument pas qu'elle atteigne la cité. En voilà une qui va avoir du mal à refaire surface, dommage. C'était un bon pilote. Oui, mais comme plongeuse, c'est raté. Bonjour, professeur Stevens. Comment allez-vous? Où suis-je? Chez moi, professeur Stevens. Des amis vous ont trouvé inconsciente dans un ravin. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Trekker. Matt Trekker. Matt Trekker? J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. On en disait du bien, j'espère. Le plus grand bien, en effet. On m'a dit que vous aidiez les gens en détresse. Et Dieu sait combien j'ai besoin d'aide en ce moment. Hélas, vous n'êtes pas la seule, professeur Stevens. Je m'intéresserai plutôt à des cas, disons, exceptionnels. Justement, ça devrait vous intéresser. C'est une question de vie ou de mort pour des millions de gens. Super! J'ai encore gagné! D'accord, T-Bob. Si on jouait aux espions, on pourrait voir ce que fait papa. Allez, moto-scooter! Interrogeons l'ordinateur sur les données du problème et la santé du professeur. Compte rendu? OVNI, d'origine terrestre. Météore pouvant être dangereux entre les mains ennemies. Énergie confirmée, Venom. Plan d'action recommandé, réunir le masque. Examen du professeur Stevens. Examen normaux. Sonde bêta, électrodiagnostic, aucune anomalie. Traitement préconisé, repos maximum. Parfait, professeur Stevens. Je prends la situation en main. En attendant, restez ici et reposez-vous. Faites vite, monsieur Trekker, je vous en prie. L'énergie radioactive qui se dégage du météore est la clé d'un nouveau procédé pouvant sauver des vies. Mais il pourrait aussi servir à la destruction. Pas si je l'en empêche. Pour cette mission, il me faut les meilleurs agents. C'est une mission pour nous, T-Bob. Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code, Condor. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code, Rhino. Alex Hector, expert en informatique et communication. Responsable du réseau Rhino. Ando McLean, spécialiste en armement, stratégie de combat, nom de code, Firecracker. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code, Gator. Buzz
Buddy Hawks, expert en métamorphose, renseignements généraux, copilote de Firecracker. Il faut réunir le masque. Le masque aura besoin de nous pour affronter Venom. Vérifions maintenant si ma théorie est exacte. Formidable! La force destructrice de ces fragments est bien celle que je soupçonnais! Bien des pays donneraient tout pour posséder l'arme la plus puissante du monde. Faites-leur savoir que les enchères commencent à 50 millions de dollars pour un fragment du météore qui tue! Eh bien voilà, vous savez tout. Bien entendu, secret absolu pour cette mission. Il faut au plus vite intercepter le satellite qui transporte le météore. Regardez, le voilà. Eh bien, messieurs, êtes-vous prêts? Matt, c'est Bruce. Engin spatial en vue, et on dirait une espèce de poisson. J'ai jamais vu de poisson volant. Nos oiseaux sont sûrement à l'intérieur. Ça y est, le voilà encore en train de délirer. Ça n'a aucun sens. C'est parfaitement clair, Buddy. Venom a rusé, c'est sans doute son hélico qu'il a camouflé en engin spatial. En avant, Bruce. Plus vite que ça, on a encore quelques livraisons à faire. Faites attention au chargement. Je prends l'hélico, je surveille le convoi d'en haut. Stratégie du Trident. Le météore doit être détruit. Séparation en trois groupes et suivez-les. Le masque. Ils ne savent pas que la pierre est fragmentée. Ils vont regretter de s'être mêlés de mes affaires. Je le savais, oui, je le savais. Je vais m'occuper de ce tas de ferraille. Condor, décollage. Au secours! Au secours! J'ai besoin d'aide, dépêchez-vous! On dirait que ça se complique. Voyons si vous pouvez éviter ça. Projection de l'hologramme. Feu! Si l'idée de nous mêler de cette mission était géniale, je suis pas rassurée. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Rayon Velox, feu!
Attention, à moi de jouer. Tiens bon, Scott. Scott, ton vieux Dusty arrive. Yaha! Une décharge électrique. Oh! Arrêtez! Oh. Scott, ne bouge pas. Essayons l'onde de choc antimatière. Ça devrait les arrêter. Va bien falloir en finir. Matt, le petit est là. Scott, qu'est-ce que tu fais ici? Hondo est blessé et c'est de ma faute. Ah, T-Bob, écoute-moi. Mais alors, que fait-on? Le professeur Stevens a dit que ce météore peut sauver des vies humaines. Il faut absolument faire quelque chose pour Hondo. On lui doit ça, après tout. Viens, suivons-les, T-Bob. Que s'est-il passé? Où est Scott? Hondo est très gravement blessé. Et Scott est parti. Venom. T-Bob, j'ai l'impression que ton système de repérage n'a pas fonctionné cette fois. Mon circuit s'est bloqué. Il faut absolument que je trouve un moyen d'alerter mon père. Dans un endroit pareil, c'est ridicule. C'est complètement fou. Débrouille-toi, occupe-les. Vous avez l'argent? Excusez-moi, monsieur. Savez-vous à quelle heure part le prochain train pour la cité? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, idiote Mayhem? Non, je ne sais pas ce que... Voyez-vous, voilà... Oh, wow! Scott, appelle Masque! Scott, appelle Masque! Appel urgent, répondez! Matt, j'ai Scott sur la radio. Il me signale sa position et je suis sûr que le météore doit s'y trouver. Passez-le-moi, Alex. Scott, tu es là? Comment vas-tu? Très bien, je suis heureux de t'entendre. J'étais très inquiet. Surtout, ne bouge pas. On va te sortir de là. Ok, agent Matt Tracker. Ici Scott Tracker, terminé. Oh seigneur, si seulement je savais conduire cet engin. Masque, vous dites Masque? Connais pas, j'ai pas ça en mémoire. J'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Au fait, c'est monsieur... Eh bien, Mayhem, qu'est-ce qui vous arrive? Stop! Oh, au secours! Et rattrapez-le! Tu sais conduire ce truc, T-Bob? Quoi? Moi, conduire? Génial! Allez, on y va! Eh bien, messieurs, allons délivrer Hondo. Opération Firecracker, c'est tous ensemble que nous ramènerons le météore. Mise à feu, 5, 4, 3, 2, 1, top! Condor Mach 1! Ça alors, un véritable jeu d'enfant. Tu as fait une grave erreur, l'ami. Je ne peux plus m'échapper. Approche, Venom, approche-toi encore un peu. Bien utile ce procédé antimatière. Tiens, c'est pour toi, Bruce. Écran protecteur, top. Efficace le travail d'équipe. Ah!
moi, mademoiselle, par où est-il passé? Merci beaucoup. Et alors, vous êtes prêts? Hé! Pas un geste! Je vous aurais prévenu! Ah, quand je dis ne pas bouger, on ne bouge plus. Alors maintenant, vous restez tranquille, hein? Le météore est dans l'hydroglisseur. Il faut absolument l'arrêter. Je vais le rattraper et lui barrer la route. Tiens, la compagnie. Mayhem, je sens que tu vas recevoir un petit pruneau. Touché. Tu me le paieras cher, Mask. Ah! C'est raté. L'hydroglisseur est englouti. Mission accomplie, Matt. Nous allons rentrer avec le météore maintenant et ainsi nous pourrons remettre Hondo sur pied. Je ne l'ai pas, Dusty. J'ai échoué. Bob et moi leur avons emprunté. Bravo Scott, mais tu mériterais une bonne fessée. C'est à cause de moi que Hondo a été blessé? Ça n'a aucune importance. Il a besoin de vous. Où suis-je? Voilà, j'ai fait mon devoir. Je suis maintenant certaine que cette pierre nous sera indispensable pour sauver des vies. Je crois bien qu'elle n'est plus utilisable. Regardez ça. Eh bien, nous n'avons plus de raison d'être inquiets maintenant. Les pierres célestes ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est dommage. Tu as peut-être gagné une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Mask, je te promets que nous nous retrouverons. Après une balle, assure-toi que la voie est libre en regardant à droite et puis à gauche.